عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي هو جد مهم بالنسبه للناس اللي كيقلبوا على الكراء رخيص، خاصه في مدينه لونغوي الى ريجون دو مونريال. دونك الناس اللي كيسكنوا في ريف سود ديال مونريال او في لونغوي عندهم واحد لا بوسيبيليتي اللي ما كيعرفوهاش الناس بزاف، وهي لي لوجمون اتش ال ام. Donc, Khasom et Duro la demande auprès de l'office municipal de l'habitation de Longueuil. Donc, il y a plusieurs conditions d'admission. Il y a des appartements à louer qui sont très moins chers donc, par rapport à la location à des particuliers. Donc, il y a les HLM, options HLM. Qu'est-ce qu'on a la liste d'attente un petit peu plus longue, où ils sont admissibles selon leur revenu familial. Donc, il y a le revenu annuel, donc le salaire d'ailleurs. Ou bien l'option qui est importante, qui est très bénéficiaire, c'est le logement abordable. Cette option elle est très intéressante, car il y a les appartements qui sont très propres, qui sont très bien entretenu, qu'il y a un concierge qui vient faire le nettoyage, qui vient faire tout, ou l'entretien de le petit appartement et les faits. Quoi que ce soit, tu appelles l'office municipal dans les trois jours qui vont suivre et ils envoient le monsieur de l'entretien qui dire les travaux nécessaires ou qui me chiffre halato. Donc vraiment, ils sont très 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 bien. Donc, on va essayer de vous montrer les conditions d'admissibilité à l'office municipal d'habitation ou l'option HLM, donc habitation à loyer modique, ou quelle est l'option la plus avantageuse ou qui est bien pour les immigrants, qui connaissent je suis un petit peu discret et les hommes qui goulent tout le monde. Donc elle est sur la liste d'attente pour les HLM ou les loyers abordables mais qui goulent donc un petit peu. Donc il y a des amis qui ont réellement la jazihom bekhir. Donc on a bénéficié alhamdulillah, ou ça fait 4 ans qu'on est ici, on est bien alhamdulillah, dar nqiya, les travaux ils sont là tout le temps, tout le shit il dure l'inspection les détecteurs de fumée qui durent tout le chi annuellement, qui durent l'inspection de l'appartement chaque année, puis ils renouvellent. Donc, l'avantage, au moment que tu fais la demande, il faut qu'on ait un revenu bas. Mais après que tu es à la maison, ça dépend pas du revenu. Par rapport aux HLM, les HLM, les gens qui calculent le salaire d'eux annuel chaque année, ou qui ont 25% de leur salaire. Donc ce qui n'est pas le cas à nous ici. Donc on va essayer de prendre la caméra et de vous montrer les options pour que vous puissiez, inchallah, bénéficier de cette option. Les gens de la région de Montréal, les gens de Longueuil, ils bénéficient de cette option. Donc, on va essayer la caméra à l'ordinateur et je vais vous montrer tout donc en temps et lieu. كما كتشوفوا ها هي لا باج داكوي ديال لوفيس مونسيبال دابيتاسيون دو لونغوي. هذا هو لو سين ديالهم. دونك كاين لاكوي ا بروبو شيرشي ان لوجمون لي لوكاتير لا في كومونوتير اي لي كونتاكت دونك بور لي جويندر. دونك دوفينير لوكاتير هنايا اون فاي الي ديريكتومون شيرشي ان لوجمون. Admissibilité aux HLM. Donc, fais quand cliquer la admissibilité aux HLM. Donc, HLM, ça veut dire habitation à loyer modique. Les conditions, je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc, le demandeur, grâce à ce qu'on a de 18 ans et plus, le demandeur peut assurer de façon autonome avec l'aide
extérieur d'un proche, la satisfaction des besoins essentiels reliés aux soins. Donc, il doit être autonome. Donc, rassoyez dire les soins dialogue bouhdo. Le demandeur est citoyen canadien ou résident permanent. Donc, c'est les critères d'admissibilité. Le demandeur a résidé dans la communauté idéale Montréal pendant 12 mois au cours des 24 mois derniers de sa demande. Donc, il y a la condition, la région de Montréal. La valeur des biens ne doit pas dépasser 60 000 au moins. Donc, la valeur des biens, les Kenyans. Donc, il y a les conditions d'admissibilité pour les HLM. Donc, pour l'option là, qui m'intéresse le plus, il y a les habitations, admissibilité à LAQ, donc c'est l'admissibilité pour le logement abordable. Donc, c'est presque les mêmes conditions aux HLM, il y a 18 ans et plus, il peut assurer. Donc, c'est pour les personnes qui sont autonomes, c'est pas semi-autonome, mais c'est pas une résidence, mais il y a des préposés et tout, donc c'est des logements comme normal, ils assurent juste le loyer. Le demandeur est citoyen canadien en résident permanent. Le demandeur est résident au Québec pendant 12 mois. Donc, précédant sa demande. Donc, Hadi, c'est le Québec complet, les HLM ni la région de Montréal. Donc, la valeur d'elle est bien, elle ne doit pas dépasser 80 000. Donc, Hadi, c'est encore plus. Donc, Hadi, on a dit, nous recommandons. On va descendre au. Donc, les logements d'elle. 2 à 3 aînés sauf couple, 4 à 5 personnes. Donc, qui est le revenu supérieur maximum, les ratios de la famille. Donc, en dessous de ce montant-là. Pour les personnes seules, entre 15 000 et 30 000. Les deux personnes ou un couple, donc 18 000 entre 30 et 34 500. 4 à 5 personnes, 20 000 et 40 000. Donc, 6 personnes et plus, donc 25 000 à 55 000. Donc, qui m'a dit comme tantôt, le coût du loyer est basé sur le coût de la construction et non sur le revenu de l'occupant. Donc, à chaque fois, il calcule ton revenu familial comme pour les HLM. Donc, les catégories famille. Donc, il y a une bzef, donc une chambre jusqu'à trois chambres, qui est une bzef, la ville de Brossard, une chambre à deux chambres, qui est une bzef, la ville de Longueuil. Donc, il y a l'appartement a deux chambres. Donc, c'est ça. Il y a aussi des suites ou des appartements Saint-Hubert. Ou qu'il y a les PA ou les personnes âgées 60 et plus. Donc, un home de une à deux chambres. Donc, ils sont à Longueuil, Saint-Hubert, La Flèche ou Boucherville. Donc, les documents à télécharger. Donc, il y a un formulaire de la demande. Donc, du logement abordable. Donc, il faut le spécifier. Donc, la liste des documents à établir. Donc, les choses à présenter, les revenus, les relevés de les avis de cotisation, les déclarations d'impôts. Donc on consulte juste la liste ici et on ajoute ça avec le formulaire de la demande bien rempli, puis on le dépose à l'office municipal. Donc, pour connaître le rang, comme j'ai dit tantôt, Khasnan Mchiouf le site toujours, une fois qu'on s'est enregistré, on a un numéro de dossier. Quand on a le numéro de dossier, la liste. Donc, ou bien il faut toujours appeler le numéro 450-670-2733, poste 321. Donc, ils peuvent vous répondre aussi au cas où donc, vous avez besoin d'informations. Donc, Yehadi Binsbal. L'opportunité de loyer moins cher ici à Longueuil. L'avantage ou anaho ماشي ضروري انك تكون تسكن في لونغوي عام كامل تقدر انك تكون تسكن في لا فيل دو في toute la province de Québec. Donc c'est vraiment super important. Donc حاجه واحده اخرى هو انهم هاد
les logements sont très propres, bien entretenus. Qu'on a la vérification des détecteurs de fumée 2 fois par année, chaque 6 mois. Donc, tu es juste à checker le home, tu es checker les tanks d'eau chaude, tu es checker tout. S'il y a comme un robinet de brisé ou une porte de brisé, il vient le réparer, donc sans problème. Ce qui est comme beau aussi, avec le loyer dialogue, il augmente pas beaucoup. Donc par rapport à l'IA, depuis que je suis là, donc moi je payais un montant les rois cette année, 473 $ par mois. Donc après 4 ans, donc chaque année ils ajoutent 1% le loyer. Donc chaque $100, ils ajoutent un 4 $. Donc maintenant, c'est rendu 4 $ par année qu'ils me rajoutent. Donc ce qui est vraiment bien, le loyer n'est pas très cher. Donc quelle est la chose qui s'ajoute, il y a le stationnement. Le stationnement, si vous avez une voiture ou une voiture, donc il faut payer le stationnement. Donc le stationnement, ça coûte 15 $ par mois aussi. Ça s'ajoute au loyer mensuel. Donc une vignette de stationnement, les rues vertes, elle est reconnue par l'office municipal de l'habitation de Longueuil. Donc une place bien désignée, donc tu peux stationner ta voiture librement, donc en tout temps. Donc هذا ما كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم. دونك جيسبر انه ينال الاعجاب ديالكم ونكون عطيتكم واحد شي حاجه اللي هي مهمه لكم وغتنفعكم. دونك سي فوز ايمي لا فيديو نوبليي با دو لايكي اي دو بارطاجي افيك فوز امي سورتو لي جون كي سون لا ايسي ا لا ريجون دو مونريال donc ou même à la province de Québec si Montréal vous intéresse, si Longueuil vous intéresse. Donc c'est une belle opportunité. Vous pouvez déposer votre demande à l'office municipal d'habitation rue La Bonté. Donc ils traiteront votre dossier. Moi je vous assure que le temps il n'est pas long. Donc un logement, donc c'est encore plus avantageux. Je vous souhaite une très bonne chance. Donc comme ça, je vais vous dire le loyer. Vous pouvez mettre de côté, vous pouvez faire des économies pour bientôt, Inch'Allah, pour faire des projets d'avenir. Donc, c'est la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite que vous avez aimé. Salamu alaikum. Et la vidéo prochaine. Inch'Allah. Salamu alaikum.